Et bienvenue pour ce numéro des Trophées d'été. Vous avez un seul principe, c'est de cliquer sur le pouce en l'air de YouTube de façon à élire votre sélectionné, votre invité préféré. Aujourd'hui, le nommé est... L'influenceur, le Raptor. Voilà, Ismaïl Bouh. Ouslimani. Ça fait peur quand même. Oui, mais enfin vous allez voir qu'il ne fait pas si peur que cela, encore que. Regardons ensemble. Sur votre style, sur votre inspiration, il y a un journaliste qui s'appelle David Doucet, qui a écrit, il a dit cela, il a dit les vidéos de Raptor, c'est presque une scène de battle de rap dans le film 8 Mile avec Eminem. Est-ce que vous acceptez cette comparaison? Alors, j'ai pas vu 8 Mile, pour être honnête avec vous. Vous voyez qu'il est Eminem quand même. Oui. Ça parle vite. Je connais pas beaucoup David Doucet. Je crois qu'il écrit pas que des choses intelligentes de toute façon. Moi, en fait, à la base de la base de ma chaîne YouTube, c'est quelqu'un qui est très sulfureux en ce moment et qui fait l'actualité. C'est Papacito. Papacito, donc il a commencé avec un blog qui s'appelait FDP de la mode. C'est quelque chose que je lisais en rigolant. Et il y avait un style, il y avait des façons de décrire les choses qui m'ont inspiré à mes débuts. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais avoir un peu de traitement d'actualité parce que c'est ce que j'aime, j'aime bien me renseigner, connaître ce qui se passe. Il y avait un ras-le-bol qui montait et j'ai réutilisé son style et je l'ai adapté au fur et à mesure et j'ai créé le mien. Sur YouTube, on voit bien que les YouTubeurs, ils sont obligés d'être présents. Ils incarnent énormément leur... et leur image est essentielle. Quoi. C'était Cyprien, Norman et Ismaïl. Ah, vous trouvez qu'on joue dans le même cours ? Je sentais bien que j'allais pas vous faire. Non. Non, leur rapprochement était trop sympa. Là. Franchement, je m'intéresse très très peu à ce que des gens que je ne considère pas, que je méprise même, peuvent penser de moi, très honnêtement. Moi, je pense qu'on est dans une forme de lutte d'influence là-dedans. Ils voient qu'ils perdent du terrain. Ils voient que des gens comme moi représentent une menace directe pour eux. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de citer le fait que j'ai 700 000 abonnés, que j'ai je sais pas combien de millions de vues. C'est parce que je fais le travail qu'ils ne font plus, parce que je suis indépendant et parce que surtout, je les traite comme ils sont, c'est-à-dire comme des lâches et des menteurs. Dans les malheurs qui nous accablent dans cette période, vous savez, avoir le nez dans l'actualité... tous les jours, ça peut rendre fou, hein, je vous le dis tout de suite. Donc j'essaye de relativiser, de prendre un peu de hauteur, d'observer une frise chronologique, et j'essaye de me rendre compte que finalement, on est un passage. Et je me dis que ce passage va soit être terriblement moqué, soit on va faire semblant, oui, c'est une période un peu obscure, on n'a pas trop de traces, parce que je pense que ce sera humiliant pour... D'où le cancel 21e siècle. Je pense que ce sera très humiliant, là, tout ce qui se passe. En tout cas, on pourra en tirer des leçons. Qu'est-ce qui sera humiliant, dites-moi, par rapport au 20e, par rapport au 19e, par rapport au 19e, qu'est-ce qu'on a de pire? Je ne sais pas si on a observé à beaucoup de reprises dans l'humanité un nihilisme aussi fort et une telle volonté de mourir. En fait, ou une non-volonté de vivre, plutôt. Ça me fait trop de peine, en fait. Ça me fait trop mal. Et en plus, on essaye de les convaincre. Et parce qu'il y a un appareil médiatique lourd, on passe pour les méchants de cette histoire. Et alors, c'est fantastique, ça met du piment dans la vie. Mais ça fiche, vous êtes quand même encore assez touché. Oui. Oui, parce que c'est des attaques permanentes, en fait. Des attaques permanentes de gens qu'on essaye de défendre. Donc à un moment, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je ne peux pas avoir plus envie de vivre que ces gens-là. Je ne peux pas avoir plus envie de vivre pour eux que ces gens-là. Donc s'ils n'ont pas la volonté de vivre que j'essaie de leur donner, enfin, à mon humble mesure, mais s'ils n'ont pas tout ça, et qu'en plus, ils plantent des couteaux dans le dos, si vous voulez, la lâcheté, c'est une chose, mais quand elle est couplée à la trahison, c'est terrible. Mais je vois qu'il y a quand même un souffle, il y a un souffle de renouveau, il y a des gens qui souhaitent vivre, il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, et qui sont un peu naïfs là-dessus. Donc j'essaie de leur ouvrir les yeux, parfois on me qualifie de pessimiste du coup, mais il y a encore des gens qui veulent vivre. Il y a des gens qui veulent vivre, donc je vis avec eux, et pour eux. C'est quelque chose qui se perd, la symbolique de l'héritage. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'héritage, c'est juste pour des taxes, en fait. Si vous dites héritage à un Français, il va vous demander combien de pourcents. Vous en prenez à tout le monde. Vous avez des têtes de Turc, mais en fait, de tous bords.
Je m'en prends. J'essaie d'attaquer. Il y en a pas. Il y en a que vous n'atomisez pas. J'essaye de donner à qui demande. Donc il y a beaucoup de demandes. C'est la loi du marché. Il y a beaucoup de demandes, je suis l'offre. Voilà. Mais vous pouvez taper de Mélenchon à Le Pen sans difficulté. Oui, parce que je suis indépendant. Parce que je suis indépendant, je n'ai besoin de personne. Et si j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Bon, peu importe à qui appartient tel ou tel parti politique. Est-ce que vous pouvez véhiculer une image de violence, finalement? Alors, ça c'est l'accusation qui est caractéristique et qui est très très dangereuse et qui est très vicieuse, en fait. La réalité, c'est que c'est exactement comme les assignations à l'extrême droite, les assignations facho, les assignations à ceci, cela. La réalité, c'est que les gens prennent sans arrêt des attaques et on a décidé de s'attaquer aux victimes quand elles répondaient un peu trop fort. C'est-à-dire que quand le chien aboie, il se prend une tarte dans la gueule. C'est de la domestication, tout simplement. Et moi, j'accepte pas. Moi, je considère que c'est de la légitime défense, que c'est très loin des niveaux de violence que la population française se prend depuis des années, des années. Et le système médiatique et politique a décidé, plutôt que de saisir du pourquoi de ces réactions, plutôt que d'aller regarder pourquoi ces gens-là étaient en colère, etc., a décidé de les culpabiliser et de les criminaliser. Voilà. Je pense que ça les effraie. Je pense qu'ils voient qu'ils perdent du terrain. Mais moi, je suis quand même réaliste. Pour un Raptor, il y a 36 chaînes à la télé avec la répétition de la doxa en permanence. Donc je pense que là-dessus, ils ont quand même une longueur d'avance.